Nous allons lire ensemble le livre de Marc. Bonsoir. Vous étiez là tout à l'heure, je vous demande de revenir. Bon, c'est bien comme vous êtes là. Ça vous fait beaucoup d'interférences à cette vidéo. Dès qu'on commence à parler la parole de Dieu, nous allons lire simplement. Pendant que je lis, si vous avez un truc à faire, vous déposez le téléphone, vous écoutez. La parole de Dieu, elle est tranchante. C'est comme une épée. Mon Seigneur, je demande la lucidité, je demande aussi l'éveil d'esprit pour toutes les personnes qui vont écouter cette lecture. Que ta parole pénètre dans leurs esprits et leur apporte la lumière et la santé. Santé mentale, au nom de Jésus. Amen. Donc bonsoir la reine Jessica, bonsoir la chinoise, bonsoir la reine Naya, bonsoir la reine Sandrine, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, donc Jean faisait les lavages, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Se répandre, c'est changer sa façon de faire les choses. Donc je partais à gauche, quand je me répands, je me tourne, je pars à droite. C'est ça la repentance. Pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc Jean faisait le lavage. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait en disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, je vous ai lavé. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc chapitre 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut lavé par Jean. Je rappelle que nous jeûnons aujourd'hui. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. C'est seulement Jésus qui a vu. Donc quand tu te laves, si tu n'es pas concentré, tu vas lire. Et l'esprit descendre sur lui comme une colombe.
Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Changez de direction. Arrêtez de croire aux mauvaises nouvelles que vous entendez sur TikTok, sur Facebook, sur... Croyez à la bonne nouvelle. Changez votre façon de faire les choses. Repentez-vous. Arrêtez de partir à gauche. Vous vous tournez, vous partez à droite. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et ils le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, qui eux aussi étaient dans la barque, dans une barque et réparait des filets. Aussitôt, Marc, chapitre 1, verset 20. Aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Jésus enseignait beaucoup. Ils étaient frappés par sa doctrine. Ça les fouettait. Car il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes qui vous racontent le baratin tous les jours. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Reine Jocelyne, ne nous tue pas. Vous avez entendu des démons ici parler, non? On jeûne seulement aujourd'hui, tous les mercredis. Le démon dit, ne nous tue pas. Ne me tue pas, Reine Jocelyne. Je veux gâter la vie de la fille si haut. Je suis le serpent qui est dans son ventre et qui l'empêche de prospérer depuis. Je vous ai fait écouter des audios comme ça ici. Qu'y a-t-il entre nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Écoutez, ne courez pas derrière les êtres humains pour qu'ils connaissent qui vous êtes. Les démons là, les décepticons, vous me regardez, on se connaît. J'ai pas besoin d'avoir 1 million de vues sur Facebook, que Facebook approuve pour dire... You they know me, I they know you. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous
Ils furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres. Nawati, Nawati, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, une nouvelle prophétesse. Elle commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt sur TikTok. Lisez la Bible en mettant votre nom dedans. Hein. Marc chapitre 1, verset 29. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, avait la fièvre, elle avait le palu, elle avait le phipar. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Ça veut dire que la fièvre était venue la visiter. Vous avez des maladies dans votre maison. Ils ont leur chambre là-bas, ils ne payent pas le loyer. Mais ils ont leur chambre chez vous. Chaque matin, tu viens, tu dis, Fipa, ça va? Fipa dit, à défaire. Fipa, tu veux le pain? Je fais le pain, tu veux? Vous dormez, vous vivez avec les maladies chez vous. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Regardez, écoutez, je vais répondre à un appel. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce que les démons le connaissaient. Il y a la chinoise qui dit, tu utilises les kits de déblocage. Quand tu dis des choses, elles sont exactes. Maintenant, les petites douleurs que tu ressentais partent doucement. Amen. La chinoise, je reçois ta bénédiction. Nous venons sceller ton témoignage par le sang de Jésus. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Et viens te libérer de toute emprise maléfique. Toutes les autres personnes qui ont aussi acheté des kits, je déclare que votre travail spirituel va s'accentuer, va se fortifier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » Jésus faisait beaucoup de directs. Car c'est pour ça que je suis sortie. Kadiak, on poste les kits aussi. Hein. Les kits là, on les envoie. On poste. Le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes entourés de mauvaises personnes. Et on poste en République dominicaine, je pense. Si DHL arrive là-bas, on peut t'envoyer.
Vous êtes entouré des personnes qui diminuent votre pouvoir. Les personnes là vous sanctifient beaucoup. Les personnes là savent que vous êtes choisi, mais secrètement. Elle croit que ce qu'elle fait là, moi-même, je peux faire ça. Je peux faire ça. Pour l'instant, c'est ton argent qui les nourrit. Donc, ils sont comme les loups qui attendent de prendre ta place. Ou encore, ils se disent, mais pourquoi elle est aussi bénie? Ils ne savent pas que dans ton sang, si on coupe on te coupe, le sang coule. Tu connais la voix que ça, qui va parler. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ça coule dans tes veines. On voit ça là. On voit B. Si vous me dites que j'organise les retraites, vous allez venir. Vous aimez qu'on vous supplie encore pour votre travail spirituel. Vous n'êtes pas encore. On fait un truc, vous ne venez pas. Je vais organiser la semaine prochaine. Ceux qui sont en Bengo disent qu'ils n'ont pas le temps de venir, que c'est trop court. Vous voulez quoi? Vous croyez qu'il n'y aura jamais le temps opportun, hein? Le moment opportun ne va jamais être là. Que bien. Jamais. Jamais. Comme il faut, il faut chaque jour marcher avec toi. Mais attends, elle a porté le t-shirt, non? N'est pas ça, si, avec nous, elle a mangé le maïs. N'est-ce pas, elle m'a permis de m'asseoir dans son bureau? Écoutez, tu peux même coucher avec quelqu'un d'entre eux. Mais ton pouvoir est inégalé. Si une reine couche avec un clochard, le clochard ne devient pas automatiquement roi. Ça doit rester dans votre. Ça doit rester cela ou cela. Parce que la personne est venue, tu as eu besoin de lui pendant une période, peut-être parce que tu avais voyagé ou bien tu étais financièrement, tu étais un peu un genre. Il t'a prêté l'argent deux fois. Il s'est dit que, ah, elle là. Un roi, une reine, tu restes comme ça, tu appelles sa vie. C'est la différence qu'il y a entre toi et un autre simpleton. Parce que parfois, oh non, il faut être humble. Quelqu'un ne connaît pas le nombre d'épines qu'il y a dans ton dos, le nombre de flèches qu'il y a dans ton dos. La personne ne connaît pas le nombre de batailles que tu as survécues. Faites très attention quand vous avez les petits, les fils. Peu importe, même si c'est un dragueur. Parce que tu as dîné deux fois avec moi, tu crois que tu subitement, tu as me parler n'importe comment. Un manquement de respect. On oublie que tu es allé en Chine, tu as réussi en Chine. Tu t'en es sorti à Dubaï, tu t'en es sorti en Italie, tu t'en es sorti en Angleterre, tu t'en es sorti à Abidjan. Comme tu viens, tu le trouves ici, là. Il se dit, ah. J'ai souvent ça avec certains de mes employés, non? Il dit que ne me voyez pas comme ça là-haut. Tu vois, je suis petite comme ça là. Il y a les ministères que là
aux gens, toi là, tu es même dehors, tu veux te rester dans le parking, on va te chasser. Decepticon. Et même le fait qu'ils soient dans ton environnement, ces gens-là, ça te bouffe l'énergie. Ça bouffe l'énergie dans ton environnement. Ça bouffe l'énergie. J'ai fini par comprendre que l'homme noir aime quand on le menace. L'homme noir aime quand on le menace. Quand tu lui donnes le respect, mais attends, si c'est elle qui me respecte, mais ça veut dire que moi, je suis un grand. Écoute, tu n'as même pas 50 000 francs le mois. Par heure, 50 000 francs, je ne touche même pas 50 000 francs par heure. C'est petit. Toi, en un mois, tu n'arrives pas à faire 50 000. Donc, ce n'est pas parce qu'elle veut te donner ta place. C'est comme ça qu'il vous manque de respect chaque jour, c'est ces gens-là. Il y a des gens avec les chiffres d'affaires de 1 milliard de francs CFA qui viennent me voir que, ouais, ma reine, dis comme ça, là, ma reine, tu fais comment? Les gens voient que j'arrive, je suis logé, véhicule, donc dernier modèle. C'est même pas moi qui dépense. Tu vas venir avec quelqu'un qui n'a même pas payé son loyer. Toujours parce qu'on est en Christ. C'est comme ça qu'ils font vous. À un moment, vous doutez encore de vous. Même ta dîme chaque mois, ça dépasse le salaire de cette personne. Ta dîme mensuelle. Ta dîme quotidienne même, ça dépasse le salaire de la personne. Vous avez quoi parler? C'est souvent les petits-petits. C'est souvent les petits-petits simpletons là qui viennent là. Tu veux un peu les aider. Tu conseilles quelqu'un qui commence à faire la tête. Tu fais la tête, tu fais la tête. Tu fais la tête, tu connais quoi? Tu ne connais rien. Si tu connaissais, tu ne serais pas là où tu es. Comme le bon cœur. Que non, Dieu a dit que... Quoi? Crève. C'est pas tout le monde qu'on aide. Parce que ces gens-là, le jour, ils auront l'opportunité. Parce qu'ils savent que si je fais ça... C'est pour ça que vous arrivez en Europe, non? Tu prends tes papiers, tu donnes à quelqu'un. Tu viens au pays, tu épouses quelqu'un, tu l'amènes en Europe. Il guette les papiers. Oh mon bébé. Attends qu'on va lui donner la carte. Attends qu'elle aura la carte de 5 ans là. Rentre à l'heure qu'il veut. Je comprends souvent le cœur de certaines personnes qu'on utilise pour leurs papiers. Tu n'es pas sûr si la personne avait toi pour tes papiers ou bien s'il t'aime vraiment. Et même les papiers, ils ne connaissent pas comment tu as souffert pour avoir ça. Donc arrêtez de prendre vos perles, vous donner aux gens. Parce qu'après, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Non, ma femme va prier pour moi, elle va prier pour moi. Tu vois là, tu es en train de jeûner aujourd'hui, non? Tu le mets dans la prière. Oh Seigneur! Lui-même, il est là, il dort. Nawati. Il y a les jours, ils disent, F off, on dit que voilà, je ne veux pas swear ici, là. I don't want to swear. Some days, I'm just like, you know what, F off. Parce que, parfois, c'est votre bon cœur. Quelqu'un arrive, il voit les terrains que tu as, les chantiers que tu es en train de faire, les villas que tu as.
Parce que tu lui donnes la clé d'un de tes véhicules. Ok, c'est toi qui vas un peu gérer le taxi ici, là. Prends la recette, tu vas me donner. Ah, il croit qu'il est devenu boss. Il est devenu boss. Depuis quand, mon frère? Il y avait la prière à 12 heures. Il y avait la prière à 6 heures. Voilà les 2 heures que j'avais promis. Tu as compris, mamie? Pour 18 heures, si je me sens d'humeur, je vais faire la prière. J'avais dit 6 heures et 12 heures. Vous avez fait les deux prières. Parfois, tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. Tu peux entrer dans n'importe quelle banque, tu dis donnez-moi 20 millions, on porte 20 millions, on te donne tac, tu sors avec. Tu fais quoi que tu vas aller demander conseil ou te rabaisser pour laisser que quelqu'un que. Ouais. Écoutez, s'il faut que tu prennes le bâton, tu te fous de toi-même. Arrête ça. Parce que ton intuition ne va pas te tromper. Ton. Il y a quelque chose qui sent pas bon là. C'est de l'arrogance ou bien c'est. Vous connaissez le parfum arrogance? Ou bien le parfum hypocrisie? Hypocrisie, c'est ça? Ça sent un peu pas ici. Parce que tu m'écris sur WhatsApp, je te réponds. Tu te crois permis. Je peux te parler. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Tu composes mon numéro. J'ai vu dans un des groupes aussi là, un groupe WhatsApp là. Quelqu'un écrit, est-ce que c'est la reine qui répond ici au message? Beaucoup de mes plateformes, ce sont les secrétaires qui répondent. Parce que je voulais parler, je voulais discuter avec la reine. Vous savez ce qu'il faut faire pour discuter avec moi. Quand je dis que je suis reine là, je me suis pas mise reine. Je suis. Maintenant, je ne vais pas me. Et ce qui me. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Quelqu'un qui se voit mal. Même si tu allais, tu laisses tout, tu laisses ta couronne, tu laisses tes vêtements royaux, tu descends dans la boue, tu le nettoies, tu prends le petit porc, que tu es beau, le porceau. Tu mets la cravate sur lui. Oh, le beau porc. Il fait. Oh, le beau porc, que tu es mignon. Je vais te prendre chez moi. Tu le prends, tu le nettoies, tu achètes les habits, porte. Tu le déposes sur la chaise. Le porc, j'arrive. Je vais au marché. Ok? Hé, le porc. Il fait. Tu pars. Tu reviens. Devinez là où vous avez trouvé le porc. Mais vous en prie, dites dans les commentaires. Vous avez trouvé le porc. Vous l'avez parfumé. Vous l'avez pris au Cameroun. Vous l'avez amené en Bénin. Allez l'épouser, venez lui donner les papiers en bain. Les papiers que tu as souffert 8 ans avant d'avoir. Ah, c'est un papier, tu dois garder ça, ça reste dans ton armoire. Tu prends, tu sens, après tu remets dans l'armoire. Oui. C'est bien que vous avez, c'est bon, ça va, c'est bon. Un roi, même si on le jette dans la porcherie. Tchabda, laisse ça. Tchabda, t'as vu, c'est moi. Tchabda, toi, tu es un cas. Même si tu lances le roi dans la porcherie. Non, mais vos réponses sont trop marrantes. Sur ton siège, j'ai été vêtement royal. Moi, je suis un jeune. Oh, on
Lionel, prends mon numéro. Je pars de Libreville dans 2 jours. Si tu tiens à me voir, bien sûr. Pour me voir, tu dois payer la consultation. Ok? Soit tu payes le lavage, soit tu payes la consultation. C'est le 0741 80 080. Le porc aime la saleté. Donc quand tu coupes la peau du porc, Ozala, quand le sang coule, ça dit saleté, saleté, saleté. Bouh. Vous savez, moi, je n'aime pas trop utiliser les gros mots pour parler aux gens. L'école, le long crayon, là, je ne sais pas si c'est ça. C'est comme ça que quand il prend un porc qui a fréquenté, alors c'est grave. Le porc va venir te dire, ouais, tu sais. Il dit, porc, porc, n'ganom, n'ganom, you. Je n'ai pas moi le long crayon, n'ganom. Mais ce qui est sûr, tout ton savoir que tu as là, il t'est trouvé où? Il vient dans la porcherie. Je traduis ce que le porc dit. Je crois que je dois être comédienne. Il faut que je fasse la comédie, franchement. Porc, tu as fréquenté, non? Il vient. Tu as le master, non? Je t'ai trouvé où? Le porc va te dire qu'il marchait à pied. Il était dans la porcherie. Il faisait maximum, il avait ses 8 à 15 000 par journée. Maximum, quand il avait trop tué. Ok, porc. Parlons, porc. Non, non, parlons. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, tu ne connais pas le porc, Yves. Hey! Pardon, arrêtez sur le direct là. Ouais, ne me fais plus rire. Tu ne connais pas le cochon? Ou bien tu se manques l'exemple aussi, je ne connais pas. Écoute l'histoire du cochon, peut-être que tu vas reconnaître un peu, peut-être que c'est un de tes ancêtres, je ne connais pas. Seigneur! Le numéro de Libreville, c'est le 0741 80 080. Le numéro du Cameroun, c'est le 693 50 22 66. Le deuxième numéro camerounais, c'est le 680 71 0701. Beaucoup d'entre vous, vous avez prié pour les maris. Oh, je veux le mari, Seigneur. Tu ouvres la porte le matin, tu vois le porc devant la maison. Peut-être que tu as... Seigneur! On ne sait jamais. Je raconte seulement l'histoire. Non, Christelle, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Écoute seulement. Dans 6 mois, tu vas rester comme ça. Tu vas dire, ah, c'est une vidéo. Tu vas te rappeler. Bon, je t'ai trouvé où? Tu as le master, non, Paul? Il fait, ok. Paul, ça veut dire cochon. Ok? Paul, tu m'as trouvé où? Ou bien, j'étais, quand il t'a trouvé, j'étais où? J'étais dans ton palais. Ok. Avec tous tes diplômes, si tu connaissais quelque chose, Paul, pourquoi tu étais dans la porcherie, tu n'étais pas dans le palais? Demandez au pauvre, vous me dites ce qu'il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous riez seulement. Benoît, ça c'est le WhatsApp aussi. Tous les numéros que j'ai dit là, il y a WhatsApp sur ces numéros-là. 693 50 22 66 680 71 0701 0741, ça c'est pour le Gabon. 0741 80 080.
Je vais reposer la question qu'on a demandée au porc. Ce sera l'énigme de la soirée. Porc, si tu étais si intelligent et que ton diplôme là t'amenait quelque part et que tu connais, je ne connais pas. Porc, cochon, ngonop, dites comme vous voulez. Pourquoi étais-tu trouvé, tu étais dans la boue et moi j'étais dans le palais? Certains d'entre vous, vous êtes dans un dilemme. Tu viens de te rendre compte que tu avais porté, il ressemblait au chien. La reine de Belgique n'a pas le kit de déblocage plus. Donc tu peux commander, on t'envoie ça du Cameroun. La bouffe est fraîche, hein, Kadiak? Ok. Nadie, chacun évolue à ça. Ah, peut-être que sa pocherie, c'était un royaume. On ne sait jamais. Mais vous avez des porcs qui vont venir vouloir vous montrer comment gérer votre royaume. Hein? La reine Claudie dit que le porc répond parce que j'aime la boue. Ouais, Seigneur. Jeanne, parce que ton blanc n'était pas arrivé. Ok. Comment le porc répond en utilisant le nom de la chèvre? Écoutez très bien. Roi, reine, ne prenez plus les « je vais devenir, j'étais sur le point de... » Parce que le porc, c'est ça son discours. Le porc va te rencontrer, tu as déjà construit un petit château. Certes, c'est petit, mais c'est le château. Aline, ta dîme pour la payer, tu peux faire Orange. Tu es dans quel pays? Tu peux faire Orange Money, tu peux faire RIA, tu peux faire Western Union, tu peux faire MTN Money, tu peux payer par PayPal. Tous les moyens, je veux l'argent. Pas compris, non? Donc dis-moi seulement là où tu es et par quel moyen tu peux payer. Je te donne les détails. Beaucoup d'entre vous, l'épine qu'il y a à côté de vous actuellement, est-ce que tu as PayPal, Aline? L'épine qu'il y a devant votre entourage, c'est que vous avez un petit porc qui est assis. Là, je suis dans mon salon. Je vais vous montrer la place. Vous voyez, le salon a généralement... Vous voyez les chaises, non? Hé, hey, petit oiseau! Voilà l'oiseau à la fenêtre. Oh my God! Oh, le petit oiseau! Bonjour! Bonjour! Ils aiment beaucoup ma fenêtre, les oiseaux. Oh, bonjour l'oiseau. C'est fou. Dès que j'ai tourné la caméra, il est venu. Allez, on va te regarder un peu avant que tu ne partes. Bye bye. Parle. Petit oiseau. Oh, elle est partie. Oh. Donc, je disais ceci. Revenons au porc, au porc. Le porc, le porc, le porc, le porc. Donc. Vous savez que dans la maison, celui qui s'assoit ici, c'est le chef. Vous savez ça, non? Ok, PayPal. Aline, je te donne mon PayPal ici. Tu as de quoi noter. Écris Aurélie Michel 2017@gmail.com. Ça, c'est mon PayPal. Voilà, voilà mon PayPal là-bas dans la vidéo.
Tu peux. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Voilà. Tu fais ton paiement de dîme là-bas. Regardez. Tu as ton, la maison t'appartient. OK? Tu dis aux gens, allez à table. Ah, depuis que tu utilises le kit fondation, peut-être c'est un de tes ancêtres. Hey, Nadi, tu as vu le propriétaire de l'oiseau comment? Il nettoyait ses ailes. Bon, je reviens à l'histoire du pot. Tu dis, allons manger à table. C'est ta maison. C'est ta table. Le petit cochon vient, il ne s'assoit pas là-bas, il ne s'assoit pas ici, il va s'asseoir là-bas. Il va s'asseoir là-bas. Tu dis, mais attends un peu. Mais, Naweti. La reine Lady Josiane paye par... tu vas payer par Western Union. Tu envoies dans la vie de Douala. Attends, je donne les détails. Vous allez aussi mettre le PayPal de la dame là. Tu vas envoyer au nom ici. Nom. Prénom. Ville Douala. Bon, j'ai mis tous les détails. Vous devez être quand même clair que ce n'est pas tout le monde ici à qui on va donner. Il y en a parmi vous, vous allez vouloir acheter un truc, votre argent va partir. Vous devez seulement insister. Il y a certains pauvres que... Ils ne savent pas comment conserver quelque chose. Ils ne savent pas comment préserver quelque chose. Mais ils vont vouloir venir te dicter la gestion de la chose. Il me dit toujours, mais petit porc, si tu connaissais, pourquoi tu n'as pas fait? Hein? Beaucoup d'entre vous, vous sortez avec des hommes, parfois c'est le père de vos enfants. Tu t'es retrouvé à l'époque en train de sortir avec la personne parce que c'est ta famille qui dictait ta vie. Là, je rentre vraiment dans la chose en elle-même. On va parler vraiment la chose en elle-même. Je vais allumer. Donc, beaucoup de ces personnes, quand vous avez commencé, vous ne saviez pas qui vous étiez. Et c'était votre famille qui vous disait, qui dictait comment vous allez vous sentir. Vous voilà alors. Bon. Un enfant, deux enfants. Vous commencez le développement personnel. Vous commencez à étudier qui vous êtes. Et quand vous commencez à vous étudier, vous dites, attends un peu, je suis une reine. Je suis une reine. Mais qu'est-ce que je faisais avec le cochon là tous les jours? Mince alors. Une reine ne marche pas avec le cochon. Une reine ne peut pas marcher avec le cochon. Il faut que j'arrête de marcher avec le cochon. Mais c'est même quoi ça?
le cochon là était habitué que tous les 2 mois, tu viens supplier pour avoir l'argent de baigner les enfants. Depuis que tu connais que tu es une reine, ton argent est en train d'augmenter. Tu mets les rouges à lèvres, tu vois. C'est en publicité. Il est resté 6 mois, il n'a pas vu un appel. Il sait qu'il profitait souvent par tes appels là. Pour te dire que viens à l'hôtel Hibiscus, je te donne l'argent. Il y a au Radisson prendre l'argent des enfants. Tu arrives, tu l'appelles, tu dis que je suis là, tu as ta voiture où? Il dit que non, monte-toi à la chambre 502. Les mères d'enfants là, vous connaissez. Vous savez ce que vos bébés font à fond. Tu oublies que c'est la période qui t'a quitté là. Les 2 ans là. Les 8 mois que tu as passé sans lui là. C'est ça qui a fait que tu reviennes encore en toi. Ah, apprécier mon sac. Voilà mon sac. Ceux qui m'ont rencontré en ville. J'aime beaucoup cette bandoulière, si ça me plaît beaucoup. J'aime trop. Donc. Tu as oublié le mépris qu'il te faisait souvent. Comment souvent quand tu commençais un business, il s'assurait de te dire que le business que tu fais là, ça ne va rien donner. Il s'assurait de te dire que c'est toujours lui qui a payé les factures dans cette maison. Toi, tu sais même à quoi. Tu te rappelles quand tu étais encore accro à lui, non? Merci la reine Aurélie Christie. Tu connais les bonnes choses. Les autres qui me regardent depuis le direct, ils n'ont rien dit. Maintenant, le petit cochon veut te montrer. En fait, il t'avait toujours redouté. Il savait que si un jour la femme se découvre 5% de ce qu'il y a en elle, les enfants, s'ils n'en vont plus jamais passer chez moi. C'est que les enfants, s'ils vont vivre avec leur mère sur une île aux Bahamas, ils vont m'oublier. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu commençais, il fallait qu'il te décourage. Maintenant, tu t'es séparé, tu as pleuré, tu as passé tes 6 mois de pleurs, de dépression, pendant qu'il était avec une autre, il ou elle. Hein? Merci d'apprécier mon sac. Ça, c'est mon Gucci, ça, c'est mon Prada. C'est fou, hein? Je marche en Afrique. Je suis habillée comme une Africaine. Les Africains me disent que, waouh, ils font comme les Blancs. Mais tu es habillée à l'Africaine. Tu es Africain, je suis Africain, on est en Afrique. Je m'habille comme ça, tu te plais. C'est quoi, toi?
Donc, il fallait absolument que tu ne te rendes pas compte de ce qui est en toi. C'est pour ça que chaque fois que tu commençais un peu, il fallait que tu te décourages. Chaque fois que, voilà, tu te rappelles, non, la femme là, oui, je l'ai rencontrée encore aujourd'hui à un événement. Elle m'a dit de la contacter. Ah non, elle voulait te contacter, te mettre en connexion avec les hommes, les hommes qui allaient te draguer. Moi, elle ne veut pas. Comme ça fait un an que tu es seule, tu as rencontré encore la personne du business là. Ça fait 2-3 semaines. On a te relancé à nouveau. Il n'y a plus personne à côté de toi pour te dire que faut laisser ça. Les hommes vont te draguer là-bas. Est-ce que vous savez même qu'il y a souvent les opportunités que toi-même, la femme, tu fuis oh, parce que tu sais comment. Oh, Dès qu'il va me voir qu'il traite avec l'homme là, il va dire que l'homme là me drague. Tu laisses opportunités de business là-bas, tu laisses. Maintenant, ne fais pas l'erreur de retourner sur tes anciens petits trucs là. Parce que le truc, c'est que quand tu vas commencer à évoluer, il va voir. Il check tes statuts, ne te dérange pas. Il check tes statuts. Bonjour, le roi Amdaoui. Si vous avez le nombre de personnes qui m'ont salué aujourd'hui. Salam alaikum. Il dit malaikum salam. Un autre me fait ça. Après, il continue à parler en arabe. Je le regarde. Je dis non. Il dit pourquoi? Tu vas apprendre ça aujourd'hui. On va partir à la Mecque, la reine même. Et là, quand il va voir que ça fait un an que tu l'as pu contacter, voilà la rentrée qui arrive. Tu n'as pas encore appelé pour dire qu'on fait comment pour les enfants. Que l'année passée, tu as pris les enfants de l'école là, tu as payé une pension qui était 3 fois plus que ce que lui payait. Vous serez surpris de savoir que les pères et les mères de vos enfants attendent que vous chutez. Je vous dis. J'attends qu'elle souffre. C'est pour ça qu'elle va venir, elle va m'appeler 5 fois par jour. Je vais faire comme si elle n'a pas vu ses appels. Oui. Tant que tu n'as pas vécu ça, elle. On ne peut pas te décrire. Pas te dire. Donc, la fille que j'ai abandonnée il y a 15 ans là, elle voyage maintenant toutes les 2 semaines. Elle va là au téléphone. La bosse. Et quand tu voyages, tu nous as oublié. C'est comment? Et effectivement, la chinoise, elle ne t'aime pas, mais elle te statue tous les jours. C'est comment? Oui. Qu'est-ce que... Il n'y a rien pour les pauvres. Après, fait, on se voit quand? On se voit quand? Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Ouais, tu viens prendre les enfants. Oui, d'accord, je vais te déposer. Dans... Non. Toi et moi, on se voit quand? Hein? Je suis à Dubaï. Quand je rentre au pays, je fais une semaine. Après, je vais partir à Bangkok. Et puis, écoutez, à tous vos baby daddy qui n'ont pas cru en vous là, à tous vos baby mama qui n'ont pas cru en vous là, leur saison de pleurs vient de déclencher. Ça, c'est ma part de prophétie là. À prophétie, in Jesus' name. The season of tears has arrived in the name of Jesus.
And everybody said, Amen. Yes, Ashe. Say Amen. J'ai élevé mon enfant toute seule. Quand l'enfant avait 6 mois, il est parti. Ton enfant a quel âge aujourd'hui? Elle va avoir 10 ans hein, le 15 août là. Tu ne connais pas la carapace que tu as construite en élevant l'enfant là seul. You don't know. Tu es devenue une guerrière. Tu es une Amazon. Rien ne peut plus te faire peur. Tu as déjà affronté tous les tempéraments, les tempêtes. Tu n'as pas encore vu quelle saison. C'est la saison où il n'y avait pas l'argent pour acheter les couches de l'enfant que tu as vu, tu n'as pas vu. C'est la saison où on a coupé la lumière à la maison, tu n'avais pas 5 francs pour aller payer, mettre la lumière. C'est la saison où il n'y avait pas la nourriture, tu as préféré donner ta nourriture pour que l'enfant mange, tu dois affamer, que tu n'as pas vu. C'est la saison où on dit que oh, on va vous déporter tous les deux, tu dis oh mon enfant. C'est quelle saison que tu n'as pas vu? C'est la saison où tu es à l'hôpital avec l'enfant et ses petits frères sont à la maison. Tu ne sais pas si tu as laissé l'enfant à l'hôpital pour aller amener les autres à l'école ou bien tu ne connais même pas. Tu n'as pas encore vu quoi. Parfois, vous ne vous connaissez pas. Une reine, comment on dit le trône là, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Tu laisses 5 enfants au pays, tu pars en aventure. Tu t'occupes d'eux depuis 10 ans. Tu fais leurs papiers, ils montent tous en Europe. Chacun dans une école de formation. Ils sont tous dans les écoles privées maintenant. Tu parles même de quoi? Vous aimez souvent vous simplifier pourquoi? Le trône là, c'est pas qui veut. Il y a les postes que qu'on te donne. Tu n'as même pas fait 30 minutes dedans. Qui veut être roi? Qui? Parfois tu vois ta foi aujourd'hui, tu restes comme ça là, tu es zen. Le bailleur va t'appeler dans 2 jours. Tu n'as même pas 5. Tu es là comme ça là. Tu fais. On a déjà connu plus pire que ça. Tu dors, demain matin tu te réveilles. Madame, les 600 000 du loyer. Je t'ai envoyé les 600 000, là, c'est dans ton compte. Ouais, en fait, moi, tu es détenteur bancaire, je t'envoie les 700 euros là. Ça arrive dans le compte, dès que ça arrive, tu vis ça au bailleur. Tu connais quand Dieu te dit d'être zen. Le trône, hein? Le trône. Si vous savez ce que ça comporte, ce que vous fuyez, ça vous dit que je non, 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 je ne suis pas reine, non, je ne suis pas reine. Vous aimez seulement le ah, on dit reine Jocelyne. Il y a souvent les problèmes que que si on te met dans ma chaise, on te donne mes téléphones, 30 minutes, mes responsabilités, mes décepticons. Les problèmes financiers que je résous en une journée, c'est juste que toi, tu résous en 3 mois. Tu vas dire, Reine Jocelyne, excusez-moi, je me suis trompée de porte. Je vous en prie, entrez, traînez. J'ai arrêté seulement, oh, comme tu as fini au toilette, là, prends ton sac. Vous devez avoir la foi. Les gens qui se sont moqués de vous ne savaient pas que vous étiez en période de... Vous êtes en train de guiser votre machette.
Tu aiguises, tu regardes. Il est temps maintenant. Ce que les gens ont pris 2 ans pour couper. 3 jours, tu as fini. Elle a fait comment? Mais ça fait 2 ans que j'attends qu'on me donne mon papier, non? Non, je suis partie là-bas aujourd'hui, m'ont donné. Ah! Le temps de Dieu, hein? Dieu, c'est funny. Si vous saviez ce qui vous attend, si vous saviez ce qui est devant vous qui arrive. I know what God is. I know what God is. I know what God is. Oh, une chanson de Kanye West. Every day, na 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 na. Oh Dieu, c'est quand tu me formais, tu m'avais dit que c'était la formation, j'allais fuir. J'allais dire non, mais je veux pas la formation, Dieu, je veux pas, oh, ça fait mal. It had too much God. God te dit 1 an, ça va aller. Après, tu dis encore 1 an, tu as espoir, tu restes. Et pendant ce temps, il est en train de forger. Ok, écoutez la chanson. Hein. God is my light in darkness. Si je joue ça, Facebook, comme ça, dit que je joue les chansons, quoi. Bon, c'est pour ça que je ne veux pas jouer. Écoutez. Worship Christ with the best of your portion. Le titre c'est Kanye West, God is. God is. Kanye West. I know what God is. I know what God is. Dieu, ce n'est pas ce qu'on vous a dit à l'église là. Dans ta souffrance là, il était là, il te montrait. Ce n'est pas à l'église, c'est comme les prédications du pasteur là. Ce n'est pas ça qui t'a montré Dieu, ma chérie. Arrête de dire que tu ne connais pas Dieu. Bon, moi, je dis tout ce qu'ils m'ont dit de Dieu. Je parle tout ce qu'on m'a dit de parler. Tout le reste, là, c'est entre vous et eux. On va faire la prière pour clôturer. Nous allons faire les déclarations ensemble. Donc, gardez l'écoute.
Je déclare sur vous que vous vous levez, selon Isaïe 60. Je déclare que vous êtes éclairés à partir de ce moment. Je déclare que la lumière du Seigneur est sur vous maintenant. Que sa gloire se lève sur vous. Peu importe les ténèbres qu'il y a eu autour de vous. Peu importe l'obscurité qu'il y a eu sur les peuples, sur votre famille. Je déclare que l'Éternel se lève sur vous et sa gloire apparaît sur vous. Je déclare que des nations marchent à votre lumière et des rois à la clarté de vos rayons. Et viens ouvrir vos collaborations de business. Vous commencez à collaborer avec des multimillionnaires et des milliardaires en France, CFA. Je déclare que vos yeux s'ouvrent, vos yeux spirituels, pour que vous puissiez regarder aux alentours et que vous voyez comment ils viennent à vous. J'appelle à vous vos fils. J'appelle à vous vos filles. Spirituel et physique. Je déclare que vous allez tressaillir à partir de maintenant et vous allez vous réjouir. Saint-Esprit, que tu traverses tes enfants, qu'ils tressaillissent, que ton feu les traverse à l'instant. Je déclare que les richesses de la mer se tournent vers vous. Toutes richesses, les gens qui ont fait le rituel à la mer, là, je déclare que ces richesses, les richesses de la mer, se déverse et se tourne vers vous. J'appelle les trésors des nations à vous, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous n'allez plus vous décourager. On ne va plus vous décourager. Vous allez espérer en l'Éternel sans vous fatiguer. Je déclare que les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin vos enfants avec leur argent. Toute personne qui va accoucher cette année ou l'année prochaine, je déclare que ces enfantements viennent avec l'argent au nom puissant de Jésus. Je déclare que les fils de l'étranger rebâtissent vos murs et que vos rois seront vos serviteurs. Je déclare sur vous que vous allez sucer le lait des nations. Certains d'entre vous, vous allez créer des programmes, vendre des produits qui seront vendus à l'échelle nationale et internationale. Certains ministères vont signer les contrats avec vous. Ils vont prendre vos produits. Chaque jour, vous aurez des téléchargements à l'échelle de millions de téléchargements. Et tout ça, ça va vous donner l'argent. Vous allez sucer le lait des nations, donc. Vous allez sucer la mamelle des rois. Certains d'entre vous, vous allez être le coach de certains présidents. Vous allez être des docteurs des traditionnels, même de certains présidents, conseillers de certains présidents. J'enlève maintenant toute souffrance de votre vie. Au lieu de l'airain, je fais venir de l'or dans vos maisons, dans vos comptes bancaires. Au lieu du fer, je fais venir de l'argent. Au lieu du bois, je fais venir de l'airain. Et au lieu des pierres, je fais venir du fer. Je déclare que la paix règne sur vous maintenant. Toute attaque mentale que vous avez subie depuis quelques jours, même les attaques que vous avez subies dans cette journée pendant que vous faisiez le jeûne, je viens annuler ces attaques maintenant. Je commande que tout nuage passe. Je vous remets la bonne humeur. Je vous remets la positivité. Je déclare que l'ange Michael qui combat vos combats, il met à terre tout démon qui avait pris possession de votre joie. Au nom de Jésus. Toute souffrance dans laquelle vous avez été plantée. Toute personne qui vous avait bloqué. Toute personne qui vous avait utilisé. Et c'est même chaque fois à votre place spirituellement pour prendre vos bénédictions. Même s'ils sont dans ce direct, ils sont en train de vous épier. Je viens percer vos yeux décepticons. Vous les sorciers, là, je perce vos boules de cristal. Je casse ça par la puissance du feu du Saint-Esprit. Vous avez été découragé de vos business, non? Je remets cette flamme dans votre cœur. Je remets l'idée là dans votre cœur. Recevez!
Recevez. Au nom de Jésus. Vous reprenez la vigueur de votre business. Vous repartez en ligne. Tout esprit de main percée qui vide vos poches à chaque fois, tu ne sais pas ce que tu as fait avec l'argent. Je déclare que vous devenez un investisseur. Et vous savez comment récolter quand vous avez semé. Au nom de Jésus. Je déclare que c'est des applications dont vous avez toujours voulu être partenaire. Et ça ramène. Les propriétaires de ces applications vous contactent et vous signez vos contrats dans ce mois de juillet au nom de Jésus. Je déclare que ce septième mois ne va pas passer comme ça simplement dans votre vie. Vous allez recevoir les papiers de vos villas, les papiers de vos maisons que vous vouliez acheter depuis. Vous allez recevoir vos titres foncés dans ce mois au nom de Jésus. J'appelle vos aides de destinée. Que les personnes qui voulaient vous aider, qui se sont découragées, que ces personnes reviennent, qu'elles fassent toutes les procédures dont vous attendiez depuis. Je vous secoue. Tout ivraie, toute mauvaise herbe qu'on avait plantée dans votre jardin, je viens déraciner. J'enlève à la racine. J'enlève à la racine. J'enlève à la racine. Au nom de Jésus. Personne que vous avez vu, Dieu vous a dit tu vas travailler avec la personne ci. Et l'ennemi est encore en train de retarder. J'enlève tout blocage, tout ralentissement, toute hésitation dans le cœur de la personne. Je déclare que la personne est sûre qu'il va travailler avec vous. Et il vient signer son contrat avec vous cette semaine. Au nom de Jésus. C'était à une époque où vous vouliez faire des collabs. Vous vouliez ouvrir une partie de business chez vous, dans une partie de votre maison. Dès que vous avez pensé à ça, vous avez eu toutes les attaques du monde, comme les flèches. Je déclare que vous reprenez votre casque, vous mettez sur vous, vous mettez votre carapace et vous repartez. Le business là que vous aviez abandonné, vous le reprenez au nom de Jésus. Vous reprenez votre vigueur. Toute attaque sur votre mental, toute attaque sur vos finances, toute attaque sur l'élargissement de votre business, je viens détruire ces attaques au nom de Jésus. Je déclare que vos revenus vont maintenant aller dans l'ordre croissant. Vos revenus ne vont plus osciller. Un mois, c'est bon. Le lendemain, c'est déjà descend. Après, tu as le quart de ton argent. Après, tu encore remontes. Je déclare que ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Au nom de Jésus. Amen. Je vous sors de toute fatigue spirituelle et physique. Toute manipulation de l'ennemi sur votre esprit qui vous affaiblit. Toute manipulation qui vous affaiblit vraiment. Je déclare que vous en êtes libéré au nom de Jésus. Les gens qui vous affaiblissent physiquement, quand tu jeûnes, tu es fatigué, extrêmement fatigué, alors que ça fait seulement 12 heures que tu n'as pas mangé. Je déclare que tu es fortifié au nom de Jésus. Déclare que tu es fortifié au nom de Jésus. Si vous aviez pensé à faire des collaborations, genre, tu donnes tes produits aux gens, ils vendent. Ou tu prends les produits de quelqu'un, tu vends. Tu as ta paille là, sa part. Je déclare que vous reprenez cela au nom de Jésus. Je concrétise vos idées qu'on avait prises, qu'on a mis dans le frigo, qu'on a laissé depuis là. Je viens les concrétiser maintenant au nom de Jésus. J'ouvre vos entreprises. J'ouvre maintenant vos entreprises au nom de Jésus.
personne qui a semé sa dîme ce mois. La puissance du Saint-Esprit. Papa, je t'invoque sur leur vie. Seigneur, je demande que tu leur pousses les, Seigneur, pour qu'ils aillent faire leur business. Pousse-les. Malachi, j'ai lu Malachi ce matin. Quand j'enseignais, quand on débutait là, le jeûne, je me suis rendu compte que dans Malachi chapitre 3, quand le Seigneur dit que vous allez semer votre dîme, il va ouvrir les écluses des cieux sur vous. Et il dit que toutes vos entreprises seront bénies. Ça veut dire que tu dois entreprendre quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu ne dois pas rester comme ça. C'est l'action-là qui va te donner, l'accomplissement de tes idées. Qui va te donner les réponses à tes prières. Seigneur, j'enlève la timidité. J'enlève la timidité sur tes enfants. J'enlève la timidité sur tes enfants, Seigneur. Je déclare qu'ils se lèvent et ils avancent. Ils se lèvent et ils avancent. Certains d'entre vous, vous avez des énigmes dans votre tête. Je déclare que le Seigneur vous donne des visions et des idées pour résoudre vos énigmes. Le Seigneur vous apporte des solutions pour résoudre ces énigmes au nom de Jésus. Recevez les idées. Recevez les idées. Solutions. Solutions. Recevez. 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 La voix t'est montée pour faire les papiers de l'enfant là. La voix t'est montée pour que tu trouves le boulot pour l'enfant. La voix t'est montée pour que tu trouves l'école. Tu es en train de réfléchir sur l'école où il va partir en septembre. Le Seigneur te montre la direction cette nuit. Au nom de Jésus. Tout parent qui était séparé de ses enfants depuis longtemps. Et des cas qu'à l'issue de ce jeûne, vous avez la solution pour vous retrouver enfin. Toute relation où vous hésitiez, le Seigneur vous donne la clarté, il vous donne la confirmation, l'assurance au nom de Jésus. Voilà. On va jeûner mercredi prochain encore. Donc, on a créé un deuxième groupe parce que le premier groupe était plein. Donc, si vous envoyez vous demandez que vous me rajoutez dans le deuxième groupe. On va commencer calmement avec le mercredi.
Écrivez inbox, on va vous permettre d'intégrer le groupe, ok? Vous passez une bonne soirée. Je vous bénis. N'oubliez pas de faire le truc avec l'eau. Ok? Merci, grâce divine. Nous bénissons cette eau. Nous déclarons que cette eau représente maintenant le sang de Jésus-Christ. Je déclare que tu apportes la force, la puissance à toute personne qui va te voir. Je déclare que tu permets à ces personnes de se multiplier, d'être fructueux dans leurs activités. Je déclare que tu enlèves tout mauvais esprit, tout homme fort, toute femme forte dans cette maison. Selon le psaume 35. Seigneur, je déclare que cette eau est comme une lance que tu envoies contre mes ennemis. Tout ennemi qui a œuvré contre moi, toute plante qui a été plantée dans mon corps pour me bloquer, est désormais sans effet. Cette eau va venir détruire tout mauvais esprit qu'il y a dans mon ventre, dans mon corps. Détruire tout myome, tout kyste, tout cancer qui se prépare dans mon corps. Au nom de Jésus. Amen. Sur Zoom, je vais faire on va faire la communion sur Zoom. Cette même eau, vous versez un peu au centre de votre maison. Bonne soirée. Je vais lancer le Zoom maintenant pour qu'on fasse la communion.